Chère Vierge, bonjour. Bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour la période qui commence au 4 juillet jusqu'à la période du 4 août prochain. Donc, pour les personnes qui sont nouvelles, je vais aussi repréciser deux choses. Donc, quand je dis vie sentimentale, je parle donc des personnes qui sont séparées, des personnes qui sont divorcées. Ça concerne également les liens familiaux, les liens amicaux. Et puis, bien sûr, donc si vous avez quelqu'un à l'esprit, quelqu'un dans votre cœur. Voilà. La deuxième chose, c'est la structure du jeu. Alors, la première carte qui est en haut, c'est la couleur, l'ambiance dans laquelle vous évoluez sur la période donnée. Ensuite, on a les trois points qui représentent le présent, l'obstacle ou les obstacles ou la chose à développer pour pouvoir améliorer la situation. La troisième carte représente l'évolution de la situation. Enfin, la nouveauté dans ce type de vidéo que je fais donc de vie sentimentale pour les personnes célibataires, c'est l'emploi donc de ce jeu que je mets maintenant dans la vidéo. Et donc, les trois points sont les suivants. Le premier, c'est l'orientation concrète et pratique à prendre. Ensuite, la deuxième carte, le deuxième point, c'est la guidance émotionnelle à préférencier pour être bien, pour améliorer les choses. Et le troisième point, c'est le point de synthèse de l'évolution de la situation qui vous concerne. Alors, lors du tirage, vous avez vu que j'avais cette carte qui avait sauté. Donc, je l'ai mise sur le côté. Je vais l'interpréter également. Alors, je ne sais pas si je vais faire avec celle-ci ou avec les trois qui sont là. Je vais voir comment ça se positionne, comment je le ressens. Quand je vais commencer directement l'interprétation. Et puis celle-ci, elle est donc je l'ai posée à l'envers. Or, normalement, c'est les points qui sont là avec ce type de jeu, je les interprète tout à l'endroit. Mais alors, je vais la remettre à l'endroit. Par contre, je tiens compte du fait qu'elle est sortie quand même au départ à l'envers. Voilà pour les petites indications de départ. Alors, on commence avec la carte du fou qui représente l'énergie donc dans laquelle vous évoluez sur la période du mois de juillet jusqu'au début août. Et cet arcane du fou vient parler d'un besoin qui est essentiel pour vous, c'est-à-dire de l'ordre de l'autonomie, de la liberté, de l'indépendance et de pouvoir prendre en fait des initiatives telles que vous le souhaitez. C'est très important pour vous durant cette période du mois de juillet. Ensuite, sur le premier point qui représente donc le présent, on a la carte qui est renversée de la guérie. Alors l'énergie de la guérie, c'est une énergie qui est très forte et qui parle de détermination. Et donc là, je pense que c'est une forte, en fait, conviction que vous avez dans ce que vous voulez, dans les actions que vous mettez en place, dans les actions et dans la pensée avec la même force d'engagement que vous avez, que vous avez choisi, je pense, pour... Alors j'ai parlé d'aspects de besoins essentiels, d'autonomie, de liberté, et pour s'exprimer, je pense, et pour moi, c'est pour exprimer, en fait, des sentiments que vous avez pour quelqu'un. Et donc, vos décisions sont radicales, je dirais. Et en fait, vous employez les grands moyens. Pour moi, vous employez les grands moyens, là. Et le deuxième point ça concerne donc l'obstacle, je pense que justement, le fait d'employer des grands moyens,
et peut-être des moyens dont vous n'avez pas l'habitude d'aller, des moyens extrêmes. En fait, comme si vous vous poussez à aller au-delà de vos limites pour obtenir quelque chose que vous attendez de cette personne, pour montrer votre attachement peut-être. Eh bien, vous avez la carte donc des jumelles qui est renversée et qui parle de conflits intérieurs, mais de choix importants à faire qui vous posent en tout cas, qui vous posent problème pour l'instant. C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à vous défaire d'un certain nombre de situations, de principes et même d'attachements par rapport peut-être à la vision des choses ou la vision que vous avez de cette personne qui peut-être masque une autre situation. Et alors là, voilà, je vais attacher à cette notion la carte suivante qui est tombée, la carte de l'éperdu, la 12, parce qu'on parle d'une volonté d'avoir une relation, certes, mais une relation sincère, une relation basée sur de l'intégrité, de la loyauté, de la vérité entre les deux personnes, et aussi le fait de vouloir une relation qui soit durable, qui, en tout cas, qui implique cette motivation dès le départ. C'est-à-dire que ça n'arrive pas après que la relation ait commencé. Ce que vous souhaitez, c'est que la personne à laquelle vous pensez, la personne qui représente un lien important pour vous, vous souhaitez que ce soit durable, mais dès le départ. C'est-à-dire qu'on est dans la franchise dès le départ. Et le troisième point, qui parle donc d'évolution de la situation. On a une carte qui est qui vient un peu en porte-à-faux par rapport à ce que je viens d'expliquer et donc qui représente votre volonté et votre sincérité par rapport aux sentiments que vous donnez, que vous voulez échanger. Et parce que c'est la carte de la menthe. Et donc la numéro 23. Et cette carte de la menthe, elle ne parle pas de s'impliquer, d'impliquer son cœur tout de suite. Je dis tout de suite, mais normalement, il n'y a pas d'implication sentimentale. Il y a juste de l'implication physique. Mais vu l'entourage de la carte, parce qu'il y a beaucoup d'implications sentimentales qui est dans votre jeu. Et une demande de sincérité, d'intégrité. Donc, ça, c'est très fort et ça influence pour moi cette carte, quand même. Mais au départ, par contre, il n'y a pas ce côté d'implication sentimentale, émotionnelle. Et je pense que c'est juste par le fait de vouloir de mettre un filtre et de se protéger, puisque cette carte-là, de l'éperdu implique ce sens-là aussi. Et voilà. Sur les trois points suivants, donc on a l'orientation pratique à prendre, l'orientation concrète à prendre avec la carte de la guérisseuse. Voilà, cette carte. Donc c'est un nouveau jeu que j'emploie dans ce type de vidéo. Et alors pour moi, tout de suite, je vous montre la carte qui est sortie tout à l'heure, qui était à l'envers et que j'ai remis à l'endroit. Je vous les montre toutes les deux, parce que pour moi, toutes les deux, elles font un tout. Et elles parlent pour moi d'inspiration, de créativité. Et de créativité, d'initiative et même d'engagement. On est très dans l'aspect émotionnel. Et on parle aussi d'inspiration. Et c'est comme si il y avait pour moi un ressenti de votre part d'un danger,
d'être peut-être menacé, hein, entre guillemets, hein, mais d'être en tout cas en danger si vous vous impliquez tout de suite, si vous donnez votre cœur tout de suite, si vous donnez votre amour tout de suite, ou pour d'autres types de relations, votre tendresse, si vous montrez tel que vous êtes, c'est-à-dire, parce que là, on a beaucoup de tendresse, d'affection, d'amour, de sincérité, et c'est ce que vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y a une volonté, là, concrètement, de cacher ce côté qui pour vous peut être vulnérable par rapport à l'incertitude qui se trouve en face de vous, c'est-à-dire l'autre personne, parce que vous n'avez pas de réponse concrète pour l'instant, d'engagement concret. Donc, il y a un filtre de protection. Voilà. Et sur la dernière carte, le dernier point, qui représente donc la synthèse, l'évolution de la situation de votre jeu. On a la carte qui s'appelle le cap. Et donc là, pour moi, c'est en fait, il y a des progrès qui se font dans ce désir, dans ce souhait d'alliance, de rapprochement. Mais ça se fait lentement, très lentement et de manière très réfléchie. C'est-à-dire que vous attendez d'avoir peut-être une preuve, une conclusion positive avant de passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas surprendre, enfin vous ne voulez pas en tout cas vous laisser surprendre et donc vous allez très lentement. Mais c'est votre façon d'avancer, donc il n'y a pas de mal à tout ça. Donc, et normalement, l'objectif que vous vous fixez, est-ce qu'il est atteint? Eh bien, peut-être qu'il sera atteint. Ça dépend, comme on dit dans ces cas-là, ça dépend, puisque en fait, ça dépend de la vitesse où vous avancez sur le parcours que vous vous êtes fixé. Et voilà, parce qu'il peut y avoir des moments d'accélération du mouvement parce que vous souhaitez passer à autre chose beaucoup plus vite, et puis avoir des moments de ralentissement, mais vraiment de très grands moments de ralentissement. Donc voilà, ça c'est vous qui gérez votre situation, qui est donc d'obtenir l'entente, l'alliance, quelque chose de vrai, quelque chose de concret sur lequel vous pouvez presque vous appuyer, voilà, pour être sûr d'être avec cette personne et sûr de son engagement. Voilà, chère Vierge, bel été à vous, bonne continuation, beaucoup de chance, et puis à la prochaine fois, c'est-à-dire au mois d'août, pour un nouveau tirage de la vie sentimentale. Au revoir.